à tous, très content de vous retrouver. Et aujourd'hui, on va parler de ce premier épisode de Secret Invasion. Alors ça va être un avis assez rapide pour le coup, il va y avoir une toute petite partie spoiler à la fin, mais si vous voulez vraiment une review plus complète, ça sera du vendredi à 18h30, on va reprendre les reviews en live. Donc cette fois, pour cette série, ce sera le nouveau système, il y aura une petite vidéo d'avis général, parce que voilà, il y en a qui préfèrent avoir juste un avis en 10 minutes. Et par contre, je continue comme on l'a fait avant, pour qu'on puisse discuter tous ensemble et surtout voilà pouvoir vraiment rentrer en détail sur chaque épisode. On fera les reviews live et donc ça sera tous les vendredis en tout cas pour Secret Invasion. Alors cette série, donc je l'attendais vraiment parce que voilà j'en ai un peu marre de tout ce côté humour tout le temps et du coup j'espérais quelque chose de voilà, d'un peu vu ce qu'on nous en avait montré, j'espérais un truc un peu plus sérieux, un peu plus voilà, un peu plus dans la lignée de ce qu'on avait pu avoir avec des Winter Soldier ou des choses comme ça. C'est le retour de Nick Fury, ce qui fait bien plaisir, Samuel L. Jackson. Alors la série, du coup, le showrunner, c'est Kyle Bradstreet. Donc il y a quelqu'un qui a pas mal beaucoup travaillé sur Mr. Robot. C'était un peu le numéro 2 sur la série Mr. Robot. Donc ça aussi, pour le coup, c'était assez, assez intéressant aussi. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh ben, j'ai vraiment bien aimé ce premier épisode. J'ai vraiment, vraiment bien aimé. J'ai vu que ça divisait beaucoup. Déjà, pour commencer, il y a une critique que je comprends parfaitement. Vraiment. Qui est celle de... Bah ouais, mais c'est pas le comics. Alors non. Si je dois noter en tant qu'adaptation du comics, bah c'est zéro. Tout simplement parce que, bah oui, mais... Plus de la moitié des personnages que vous voyez sur la couverture sont pas dans le MCU, en fait. Ou ils sont plus. Et du coup, ce qu'il y a, c'est que de mon côté, bon, ce deuil-là, je l'ai fait depuis un moment... Je savais que ça serait pas le comics, donc déjà j'ai complètement enlevé le côté est-ce que ça va être le comics ou non. Alors attention, est-ce que j'aurais aimé que ça ait les proportions des comics? Oui, bien sûr, grave. Et encore une fois, c'est pour ça, je comprends parfaitement la critique, vraiment. Elle est hyper légitime pour le coup. Dans mon cas à moi, j'avais déjà décidé de le prendre bah, comme une proposition. Comme une série. Vous savez comme en comics, on réutilise souvent le nom des events. Secret Invasion, il y en a eu un autre, il n'y a pas si longtemps en comics. Parce que, bah voilà, il y a un nom que les gens connaissent, un truc qui a vendu, faut s'en servir et s'en servir. Et je l'ai pris un peu dans ce truc-là de, ok, ça porte le même nom, mais c'est quelque chose de différent. C'est juste le même nom. Puis de toute façon, voilà, enfin, dans les comics, on a l'Empire Skrull qui est complètement autre chose. Où là, voilà, les Skrulls ont une histoire tellement différente dans le MCU. Enfin, quelque part, on m'avait préparé à ce que ça n'ait rien à voir, de toute façon. Je savais que ça n'aurait rien à voir. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de juger la série pour ce qu'elle est. On est là pour ça. Et pour le coup, j'ai trouvé que la proposition était ultra intéressante, en vrai. Pour une fois, on vient traiter des conséquences. Quelque chose qu'on oublie bien trop souvent dans le MCU. Les conséquences. Les conséquences de Captain Marvel. Des promesses qui ont été faites aux Skrulls à l'époque, qu'on n'a pas tenues. Les conséquences du temps. Que ce soit sur Talos, que ce soit sur Fury ou sur d'autres. Les conséquences du blip. À quel point Fury s'est senti impuissant. A vu qu'il pouvait perdre. Comme le dit un personnage à un moment, tu t'es rendu compte qu'il y a toujours plus fort que toi. Et je trouve que, pour une fois, dans le MCU, avoir un... Waouh, ça parle de conséquences, quoi. Il y a vraiment des conséquences. Il y a des promesses qui avaient été faites. Alors, tout ça, c'était dans le pitch de base. Hein. Pour vous rappeler, en gros, Secret Invasion, voilà, on a le retour de Fury sur Terre, parce qu'il semblerait que des Skrulls fomentent une espèce de complot pour parce qu'ils sont frustrés, parce qu'on leur a promis... Il y a des années, à l'époque de Captain Marvel, donc dans les 90s, on leur a promis qu'on leur trouverait une planète, qu'on leur trouverait un endroit où vivre, et ça n'est jamais arrivé.
et du coup ils sont un plus ou moins disséminés sur Terre, certains dans des conditions pas forcément les plus confortables, et ils en ont assez, ils veulent une terre à eux, ils veulent un monde à eux. Et ça, c'est une chose que je trouve plutôt hyper intéressante pour le coup. Je peux reprocher des fois, que ce soit aux comics ou à des programmes qui traitent de super-héros, de vouloir faire des allégories du monde réel, mais de ne pas prendre en compte. En fait, des fois, ils veulent, des fois, des auteurs veulent parler de problèmes du monde réel, mais ne prennent pas en compte le contexte du monde fictionnel dans lequel ils racontent l'histoire. Pour vous donner un exemple, pour être un peu plus clair, par exemple, chez DC Comics, par exemple, je me souviens d'un moment où voilà, ça avait pas mal discuté à cause de Son of Kal-El, parce qu'il y avait tout un délire sur le changement climatique et tout ça, et que le problème, c'est que dans le monde. Ok, c'est intéressant, et c'est cool, c'est bien de parler du climat, de l'écologie et tout ça. Sauf que c'était dans le monde de DC. Et du coup, on se dit, non mais attends, attends, attends. Superman peut juste aller dans le Grand Nord, souffler et créer recréer des glaciers et nous sauver de la fonte des glaces. Ils ont des gens comme Mister Terrifique, comme ils ont Captain Atom. Il peut régler la faim dans le monde en 3 secondes, juste en agrandissant des tomates ou je sais pas quoi un peu partout. Enfin, et du coup, ça collait pas. Là, c'est hyper intéressant parce qu'on a ce côté de peuples déplacés, délaissés, à qui on promet des choses, mais dans un contexte qui fonctionne totalement dans le MCU. On prend les Skrulls, on prend une histoire à laquelle on a déjà assisté, et on traite du coup d'un problème qu'on connaît dans notre monde réel, mais on le fait d'une manière qui fait totalement sens dans cet univers du MCU. Et ça fait plaisir. C'est bien pensé, c'est bien réfléchi. J'ai beaucoup aimé le ton, tout simplement. Vraiment. Le fait d'avoir quelque chose d'assez sérieux, qui n'est pas sans humour, mais qui est un humour qui n'a pas besoin de rendre ridicule des personnages. Ça va être dans des échanges entre personnages, ça va être dans des situations, ça n'est jamais au détriment des personnages. Pas mal de films et de programmes qui feraient bien d'apprendre un petit peu là-dessus quand même, hein. Je te regarde de flash. Et en termes de cinématographie, j'ai trouvé qu'il y avait des idées très intéressante pour le coup. C'est plutôt pas mal filmé. Alors, c'est pas dingue, c'est pas incroyable, c'est pas une révolution en termes de cinématographie. Mais déjà, on n'a que du décor réel. En tout cas, il semblerait que c'est quasiment que du décor réel. Ça fait du bien de pas avoir les yeux qui piquent toutes les 5 minutes. On a des bonnes idées, je trouve vraiment, ne serait-ce que. Alors, c'est le tout début, ça ne vous spoile rien du tout, vous inquiétez pas. Mais ne serait-ce que le tout début, la poursuite, il y a des très bonnes idées dans la manière dont elle est filmée. Ne serait-ce qu'à un moment, ce moment sur la façade d'immeuble, quand il court pour monter sur le toit, et en fait, on voit la poursuite depuis l'extérieur de l'immeuble, et du coup, on voit juste les lumières qui s'allument un étage après l'autre, où ça va s'accélérer, et on a la bande-son qui accompagne, avec à chaque fois un son qui accompagne. Les lumières qui s'allument les unes après les autres, et donc pareil qui s'accélèrent au fur et à mesure. Rien que ça, c'est des petites idées, c'est vraiment bien fait. Et toute la manière, pendant tout l'épisode, où, parce qu'on est dans cette histoire de Skrull, dans cette histoire où les Skrulls peuvent être n'importe qui, on a sur chaque plan, chaque fois quand c'est en extérieur en tout cas, ou en intérieur, dans des endroits où il y a des gens, on a toujours des passages. De figurants, de personnages. On a toujours quelque chose qui nous rappelle, ça peut être n'importe qui. Alors, oui, il y a ce côté frustrant, et c'est vrai, voilà, dans le comics, c'est, voilà, comment, c'est Ant-Man, c'est Spider-Woman, c'est un tel, c'est machin, c'est des persos. Oui, on est dans une série où ils vont pas le faire sur des personnages aussi connus, c'est clair. Mais vraiment, moi, la proposition, bah, je la trouve cool. Le retour de Maria Hill qui fait super plaisir, du coup. Samuel L. Jackson, on voit qu'il adore jouer ce personnage et il le fait tellement bien. Talos, je le trouve très très bon. Vraiment, j'adore sa voix. Talos, je regarde en VO, il a une voix hyper grave, Talos, vraiment, il parle. Je trouve ça marche vraiment, sa voix. Donc c'est Ben Mendelsohn qui joue Talos. On a l'arrivée de Olivia Colman, qui est très bien pour le coup, donc cette agent du MI6. On a l'arrivée d'Emilia Clarke,
donc qui joue Guilla. Pareil, hein, ça s'était annoncé avant, je spoil rien du tout. Mais j'ai beaucoup aimé, pareil, le rapport du coup, voilà, de entre ces différents personnages, voilà, je veux pas trop en dire. Mais en tout cas, voilà, pour cette partie sans spoiler, pour moi, vraiment, d'où le titre de la vidéo. Ah, j'ai pas parlé aussi de Kingsley, Kingsley Benadir, alors qu'on voit peu, pour le coup, dans ce premier épisode. Donc voilà, Gravik, on le voit peu, mais très curieux de voir la suite avec lui. Et je développerai un petit peu en partie spoiler. Mais en tout cas, voilà, je disais, d'où j'ai choisi ce titre, du coup, de « Est-ce que c'est le Andor du MCU ?» Alors attention, j'ai adoré Andor, là j'ai aimé ce premier épisode, on va voir, c'est le MCU, on sait jamais. On sait qu'ils ont du mal à réussir les atterrissages, on va voir, c'est un bon départ pour moi, en tout cas. Je comprends que des gens trouvent ça trop lent ou quoi, ou pas assez épique, je le comprends parfaitement. J'ai pris les propositions pour ce qu'on proposait, justement, pour ce qu'on essayait de m'offrir, et je trouve que là-dedans, c'est efficace. Que c'est plutôt bien réfléchi et plutôt qualitatif. Ce qui, pour le coup, fait du bien. Il n'y a pas tant de programmes que ça sur lesquels je peux dire ça ces derniers temps, en termes de super-héros. Et là, j'ai quelque chose de qualitatif où j'ai l'impression vraiment, voilà, le spectateur est respecté, où il y a un vrai taf de fourni, pour le coup. Et donc, voilà, je disais Andor parce que j'ai l'impression que, justement, tous ces côtés-là, d'un côté qui prend son temps, qui va développer, qui va caractériser ses personnages, qui va pas s'appuyer sur du fanservice ou sur des gros effets spéciaux ou ainsi de suite, même s'il y en avait quand même dans Andor. Mais je sais que voilà, il y a une part du public. Andor, pour moi, c'est le meilleur programme Star Wars qu'on ait depuis très longtemps, et je sais que ça a saoulé plein de gens. Et j'ai l'impression que si Cat Invasion, après ce premier épisode, ça peut être un peu ce genre de programme-là, qui peut réconcilier certaines personnes avec le MCU, et qui peut en même temps en ennuyer d'autres. Et il n'y a pas d'histoire de qui a raison, qui a tort, hein. Loin de là, bien évidemment, c'est subjectif. Mais j'ai cette impression que c'est un programme, voilà, qui va pas mal diviser là-dessus, qui risque de moins fonctionner en termes d'audimat, mais qui peut être vraiment respecté par une partie du public pour sa qualité. C'est un épisode pour l'instant. Si ça se trouve, la semaine prochaine, je serai en train de gueuler devant ma caméra en disant que c'est de la merde. J'en sais rien. je vous parle de ce que j'ai vu pour l'instant. On verra bien. Curieux. Vraiment, vraiment curieux de voir la suite, en tout cas. Très bons acteurs. L'intrigue part bien. J'ai vraiment envie de, voilà, de découvrir où est-ce que ça va m'emmener. C'est intéressant, ça pose des choses intéressantes. C'est bien filmé. Voilà. Vraiment. Donnez-lui sa chance si vous ne l'avez pas encore vu. Je pense que vraiment ça vaut la peine. Encore une fois, peut-être que vous accrocherez moins que moi. A voir. A voir, à voir. On passe tout de suite à une petite partie spoiler qui va pas durer longtemps. Vraiment, parce qu'on développera de toute façon en review live, comme je vous l'avais dit. Juste quelques petits exemples. J'ai trouvé. Vraiment, j'adore le côté de Fury avec où c'est rappelé plusieurs fois entre Talos qui le lui dit. Sur le côté où voilà, il a vieilli et tout ça. Maria Hill, la discussion qu'il a avec elle, ne serait-ce que pendant leur partie d'échec, où justement elle lui balance tout en mode « mec, tu t'es barré, quoi ». Et c'est vrai, enfin, nous on l'a pas vu depuis un moment dans l'MCU, et là pour une fois c'est un truc qui est dit, qui est voilà, ouvertement dit, en mode « enfin, loulou, tu nous as abandonné, tu t'es juste cassé ». Et en plus, que soit elle ou Olivia Colman, qui lui dit « enfin, d'habitude t'aurais 3 coups d'avance ». Et là, t'as l'air un peu dépassé, en fait. Et on le voit même avec son flashback, hein, où on voit que c'est un mec qui a été un peu détruit par ce qui s'est passé, par le blip. Et ça fait du bien d'avoir des conséquences à ce qu'on a vu dans l'MCU, pour une fois. Vraiment. Et tout le coup de la promesse aux Skrull, effectivement, qui sont là, enfin, c'est une espèce de camp, enfin, c'est des camps de réfugiés, quoi. Et Gravik, là, c'est je sais qu'on peut des fois dire ça devient saoulant, ce côté, les gentils, enfin, les méchants, qui ont un côté où on doit pouvoir les comprendre, machin. Ouais, là, c'est plutôt bien fait. Enfin, encore une fois, on a très peu vu Gravik pour le coup, là. Mais c'est intéressant, je trouve, vraiment, ce qu'on nous propose. Le propre personnage d'Emilia Clarke, je trouve ça assez intéressant. Voilà, qu'elle soit un peu paumée. Il y a cette jeunesse qui est en colère,
qui en a marre, qui veut se rebeller contre le fait d'avoir été mis de côté, comme beaucoup de jeunes peuvent le ressentir dans le monde réel, mais en même temps qui n'est pas non plus quelqu'un de mauvais, et qui se rend compte que ça va quand même trop loin, et du coup qui va révéler des choses, parce que, ben, puis en plus elle apprend la mort de sa mère et tout, enfin, vraiment non, et un truc que j'ai adoré, c'est le... Je sais pas, moi je l'ai, c'est à la deuxième, du coup je l'ai maté deux fois, c'est au deuxième visionnage où je m'en suis rendu compte, où en fait quand Fury va poursuivre ce qui va s'avérer, semble-t-il, être Gravik à la fin, quand Maria Hill et Talos poursuivent les sacs à dos, et que Fury voit la petite fille au ballon, en fait tous les personnages en lesquels se transforme Gravik sur le chemin, ce sont tous les personnages que Fury a rencontré pendant l'épisode. C'est le mec du bar à qui il a payé un verre. Bon, la petite fille, évidemment, c'est la petite fille au ballon. Et du coup, c'est malin. C'est malin dans la manière de montrer. Parce que voilà, du coup, j'aime quand je comprends le processus de pensée des créatifs, en fait, où je me dis, ils ont réfléchi la manière de... Ils ont réfléchi leur narration, et leur narration visuelle, entre autres. Et du coup... On commence cette poursuite par la fille avec le ballon de couleur, parce que le ballon de couleur, on l'a forcément tous retenu. Et vu qu'on sait que c'est la fille qu'on a déjà vue, on va faire plus attention au personnage d'après. Et effectivement, on a le mec du bar, à qui il a payé un verre. Puis on a la jeune femme qui était sur le banc, qui embrassait quelqu'un, du début de l'épisode, quand il va se promener dans Moscou, avant de se faire kidnapper. Et du coup, ce qui montre bien qu'en fait, ils l'ont surveillé pendant tout le long. Et du coup, Gravik a l'air d'être quelqu'un qui vraiment est un stratège et surveille vraiment Fury, entre autres. Et du coup, je me dis, il doit le savoir, il l'a fait exprès. C'est lui qui a choisi Emilia Clarke, enfin Gaia, pour aller chercher les sacs. Il le savait. Il le savait, et c'était une manipulation justement pour en arriver à ses fins. Mais du coup, il a utilisé Gaia en sachant qu'elle allait le trahir, ça c'est sûr. On voit du coup Don Cheadle, War Machine. Pour moi, c'est un Skrull. Ça fait longtemps de toute façon que je le dis là-dessus. Je pense que c'est un Skrull. Je pense vraiment que c'est un Skrull. Et c'est intéressant. D'ailleurs, on voit en fait, du coup, ils kidnappent les personnes qui vont remplacer. Ils prennent l'apparence et quand ils les mettent dans leur machine, là, ils peuvent prendre leur souvenir, leur esprit. C'est assez intéressant, du coup. Donc il faut vraiment qu'ils enlèvent les personnes, qu'ils les kidnappent pour pouvoir prendre leurs souvenirs et tout ça. Donc ça, c'est un truc bon à savoir, qui pourra servir. Mais ouais, non, j'ai passé un vraiment bon moment, pour le coup. Et puis, évidemment, il faut parler de la fin. Parce que, du coup, voilà, il y a les... Et encore une fois, c'est réfléchi. Parce que il y a la mort... Enfin, voilà, il y a ces explosions, donc des gens meurent, tout ça. Mais en même temps, on les connaît pas. C'est une place publique, machin... Mais pour ajouter du coup de l'impact et de l'enjeu, bim, on va nous tuer Maria Hill, qui là est un personnage qu'on connaît depuis très longtemps. Et bim, ça rajoute une impact. Enfin, sur le coup, j'étais étonné, quoi. Et bon, j'espère bien qu'ils vont pas la ramener. Ah non, mais au fait, non, elle est morte. Gardez-nous ça, c'est bien. Vous faites un truc, voilà, où il y a des conséquences. Mais non, j'ai trouvé ça vraiment intéressant pour le coup. Et donc... Pareil, dans les trucs que je trouve intelligents de la part de ceux qui ont travaillé dessus, c'est sur les Skrulls. On voit qu'ils ont vraiment économisé sur les VFX, où très souvent les transformations de Skrulls, au final, à part une, je crois qu'il n'y a que celle du jeune qui arrive, qui va rencontrer Emilia Clarke pour être acceptée dans le camp, là, qui est celui d'ailleurs le même qu'on revoit plus tard avec un de ceux avec le sac à dos. Il n'y a que lui, je crois quasiment, dans l'épisode, qu'on voit se changer. Sinon, c'est toujours soit hors champ, mais avec un son qui fait qu'on sait qu'il y a une transformation, qui est le son des transformations, soit où, hop, c'est un moment où on va nous cacher le visage. Et c'est tout con, mais c'est un bon moyen d'économiser de l'argent, qui fonctionne. On n'a pas forcément besoin de voir à chaque fois, et je préfère quelqu'un qui sait quand économiser l'argent sur le budget pour pouvoir le réutiliser plus tard, quand vraiment ça pourra avoir de l'impact et que ça sera intéressant. Mais voilà, j'aime bien voir que vraiment c'est réfléchi, que c'est pas juste, allez, on met des trucs, même si c'est mal fait, même si c'est machin... Un showrunner doit être conscient de son budget, de ce qu'il est capable de montrer ou pas à l'écran, et de se servir de ses limitations comme d'une force. Encore une fois, là, je parle que d'un épisode. Ça se trouve, la prochaine fois, je vais être contredit par ce que je verrai.
On verra bien. Pour l'instant, je juge ce que j'ai vu. Enfin, écoutez, voilà. Franchement, du coup, voilà, on rentrera vraiment dans les détails dans la review live. Mais je pense que j'ai dit ce que je voulais dire déjà pour ce petit avis sur ce premier épisode. Écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis à vous, en tout cas dans les commentaires, bien évidemment, ça m'intéresse. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Ça aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ça ne vous coûte rien, c'est ça qui coûte en plus. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.